supporter l'initiative de prendre pour permettre de remplacer le président Jovenel Moïse. Et nous croyons que c'est de bon droit pour faire ça parce que c'est politique qui a fait, c'est des acteurs politiques. Même si nous croyons que les politiques là, ils ont un message d'unité tout parce que la population, quand on ne peut pas être menti, il y a un autre groupe dans la population qui va retrouver dans une série d'acteurs qui ont fait politique, qui ont fait des propositions en face du gouvernement. Ça, même si vous croyez que le gouvernement ça qui là, il y a un pile déficit de crédibilité, il y a un pile problème au niveau gouvernance, mais vous croyez que tout, si les gens qui veulent pour remplacer, ils ont un autre message, ils ont une plus bonne image, vous voyez dans l'opinion. Et nous pensons que nous-mêmes nous suivons en tant qu'acteurs dans la société civile là, en tant que monde qui fait politique, citoyens engagés et activistes dans le pays, il y a un appui pour nous qui s'en apporter. Et nous pensons que, je veux dire, la population haïtienne, il fait face avec un ensemble de problèmes de sécurité, il fait face avec un ensemble de autres problèmes socio-économiques qui doit demander une autre approche qui est beaucoup plus participative et qui est beaucoup plus dans l'intérêt du pays d'Haïti. Alors, il y a plusieurs partis politiques, acteurs de mouvement politique, tout, qui annoncent que nous avons commencé le travail, nous avons pris en compte l'opposition par rapport à la démarche, l'opposition démocratique. Parce que vous-même, vous estimez que le président Jovenel Moïse, lui, il met le pouvoir 7 février 2022, tandis que l'opposition, non 7 février 2021. Bon, c'est la démocratie. Nous ne pouvons pas croire que bon groupe qui, tout le monde a d'accord son point de vue, même si nous croyons que tout le monde veut qu'on ait le rôle, les limites, dans quelle dimension de vivre avec tout ça à faire. Parce que nous-mêmes, ça n'a pas suivi, je veux dire, c'est que. Tous deux groupes, il y a un groupe qui veut faire mandat de toute façon, il y a l'autre groupe qui même veut retirer un président. Mais nous pouvons attendre qui ça a dit comme sacrifice qu'il veut faire pour sauver le pays, pour avoir un autre message, pour montrer clairement que ce pays ça a défendu d'abord, ce n'est pas un intérêt mesquin, ce n'est pas un intérêt de groupe. Mais nous pensons qu'il y a un droit à tout pour faire une contre-proposition. Si l'autre groupe a un droit pour demander au président de retirer l'école parce qu'il trouve que le président n'a pas dirigé une mauvaise gouvernance, mais l'autre groupe a tout, nous pensons que c'est un droit à gagner pour demander. Il faut que le président s'arrête jusqu'à 7 février 2022. C'est un constat. Mm-hmm. Mais qu'est-ce que vous souhaitez, nous-mêmes, nous ne pas complices? Ça nous souhaitez par rapport à notre situation? Pas oublier, nous ne pas complices, fait presque une année à mobiliser dans la bataille pour demander de ce plutôt caribéa pour que ça puisse avancer. Pour nous venir réaliser que la politique, des fois, ce n'est pas sauvé à faire, mais c'est ça qui est bon. Ça qui est bon, des fois, nous connaissons et demander un peu de sacrifice en différents acteurs. Et nous-mêmes, nous sommes des gens qui ont demandé au président Jovenel Moïse démissionner. Ce n'est pas parce que nous avons un problème personnel, nous avons un problème politique, tout, mais c'est justement parce que nous croyons que un homme d'État, un homme qui, soi-disant, dit que la dirige un pays, il est au-dessus de toute soupçon, ça ne veut pas dire que le président est coupable de ce qui est arrivé parce qu'il n'y a aucun jugement. Mais nous-mêmes, nous croyons que dans la situation où nous vivons là après plus qu'un an, nous faisons mobiliser contre le président Jovenel Moïse. D'ailleurs, nous avons rencontré, nous faisons le pardon ensemble de l'accord Mario qui était fait pour te démissionner, il n'est pas démissionné et situation favorable en faveur lui, fait que venir jusqu'à présent là. Nous-mêmes nous pensons que si nous n'avons pas gagné un moyen pour nous voir aller, il faut qu'on ait un accord politique qui définit, un accord qui fait avec un peu de sérieuxité, qui va gagner coup de baladin pour permettre que le chita. Sinon, c'est la grande population qui va le payer ça parce que de toute façon, nous toutes well, la population c'est liée à bout avec modèle gouvernance, l'équipe qui est en place ça, liée à bout avec modèle comportement acteur politique qui est en face pour voir ça. Mais tout, il n'y a pas senti le rejoindre tout avec des mouvements qui va le faire là. Si mouvement ça a effectivement pas qu'à montrer, il n'y a pas de solution pour le pays. Mais concrètement, est-ce que nous avons une proposition? Bon, nous-mêmes, depuis janvier 2018, nous avons fait une proposition pour les sacrifices pour la nation et nous avons expliqué comment pour Jovenel Moïse quitter le pouvoir, comment pour on entend fait. Et nous avons même inclus le parti pouvoir en place parce que ce que ça ne veut pas comprendre dans tout accord défini, si vous avez fait ça, le parti en place, il parle là-dedans, il parle dans l'arrière, même si on ne peut pas reconnaître le gouvernement de transition qui va le monter, il peut boycotter toute activité, conférence nationale que vous pouvez faire. Parce que l'on va faire conférence nationale, on ne va pas faire seulement avec l'équipe, il faut faire avec tout acteur engagé dans le pays. Il peut dire ces persécutions politiques, on ne peut pas le faire avec lui. Même nous, nous avons fait une proposition, mais qu'on y a là. Bon bagaille pour nous connaître, nous l'autre réel politique. Momentum politique là, va même encore. Ça m'a demandé un pile sacrifice, ça m'a demandé un pile triture politique. Nous pensons que dans ça, nous, là, c'est ça qui a retiré Haïti dans sa liaison. Volonté politique manifeste de tout acteur, de différents branches acteurs qui sont dans la société civile avec notre classe politique là, qui vous permettent que nous disons nous parlons encore politique, nous parlons chita parler. D'un côté, m'a perdu, d'un côté, m'a gagné. C'est sinon, pas de nous qui avons une capacité pour nous dire, bon, nous avons fait ça pour continuer. Si le Premier ministre, je suis capable de dire, avec accord, sans accord,
a gagné l'élection, c'est juste parce qu'elle pensait que pas de bon bail qui t'a marché, il faut que tu aies bon accord. Parce que le fait que le cité non accord, simplement ça veut dire qu'il est arrivé dans une situation, il n'y a pas qu'à diriger, j'en ai dirigé. Mais tout, nous connaissons tout, opposition et tout, il faut qu'il montre qu'il y a plus de capacité, maturité politique, avec qui définit nos visions globales politiques, pour ne pas montrer seulement son bagage qu'il a pour remplacer Jovenel Moïse, parce que finalement, on part dans l'opinion, pour voir que son bagage, mon bataille est fait pour retirer un tel, mettre un tel. Nous devons l'autre image vous montrer, ce n'est pas retirer un tel, mettre un tel, mais ça doit baser dans l'autre programme politique inclusif qui va permettre que nous ne jouons à nous tous satisfaits de l'intérêt commun, l'intérêt pays d'Haïti. Regardez où nous avons parlé ces derniers temps, on est du côté de notre commissaire, du côté de notre policier. Qui ça nous met au niveau de la communauté en perspective? Comment sentez-vous ce soutien à Emel? Pour m'oublier, moi-même, c'est fondateur du mouvement ça. Et je ne vais pas mettre lui. Et jusqu'à présent, il y a plusieurs notes qui sortent toujours travailler notre ça. Et il y a d'autres monde pensent tout qui doit jouer rôle place. Même si il n'y a pas la même capacité politique ensemble avec moi. Parce que je ne vais pas oublier, moi-même, le 24 août 2018 qui crée. Nous faisons pile passage, je rencontre dans le cabinet ensemble de acteurs politiques qui sont sur terrain. Et puis, vous connaissez ça qui nous tout. Vous avez tout un volant de toute politique, vous avez certaines vérités pour affaiblir nos propres pour permettre que le groupe Sahel disparaisse, pour que vous ayez de l'autre groupe Petro Challenger, c'est vous-même qui avez servi. Et nous avons capable de voir le 24 août 2018, nous avons mis deux dans le mouvement qui a fait là. Je vous dis, c'est vous-même qui dirigez une série de groupes. La société civile là, ça veut dire clair que nous te faire face avec système, système qui va d'accord nous fonctionner, système qui a critiqué nous parce que nous te rencontrons Jovenel Moïse, nous passer de comme des corrompus, mais par la suite, tout le monde va venir dans la presse là. C'était un vraiment un cacophonie, c'était un vraiment hypocrisie parce que tout le monde te connaît pas la président, tout le monde te connaît négocier avec le président. Lorsque tout le bagage qui arrive, ou même qui c'est la jeunesse qui a venu, nous devons recul pour rebalancer. Actuellement là, nous ne pouvons pas travailler sur une réforme institutionnelle parce que le plus gros problème qui vient. Que ce soit institution qui a bataille en un dossier contre corruption en Haïti, que ce soit UKF, ULCC, Inspection Générale des Finances, BAF, tout problème c'est parce que vous n'êtes pas indépendant. Depuis que vous n'êtes pas indépendant, nous mettons fait sitting, nous mettons fait manifestation, il y a toujours le même résultat parce que des pouvoirs des institutions qui sont contre la présidence, qui sont contre l'exécutif, qui ont nommé mon après-midi, si mon n'a pas fait travail, qui révoquer le fait que mon arrive sous lui, ou pourquoi arriver dans la bataille institution. Pour arriver dans la bataille, il faut que l'institution soit indépendante. Nous pensons que ce travail ça n'a pas fait. Et je pense que la prochaine activité, nous pensons que nous avons bien pour nous lancer un prix qui a pris Robert Marcelo. Robert Marcelo, nous tous connaissons, il mourut le 12 janvier 2009. C'est le premier monde qui mourut pour le dossier Petro-Caribe. Il était directeur dans BMPAD. Il n'est pas d'accord. Et avalisons ces deux projets que vous avez bali dans la résolution que vous avez pris dans le dossier Petro-Caribe. Et nous-mêmes, nous avons pris chaque année qui a porté dans ça. Et nous avons parlé avec famille, Métil, Marcelo, qui est d'accord sur ça. Et nous pensons que nous avons plusieurs activités et qui a fait nous avancer et pour nous tout le monde nous avons travaillé. En fait, entre Dieu et Vlado, nous avons chef d'État qui a des îles pour être capable. Pas passer maintenant en constitution, mais faire une autre constitution, même parce que le type de constitution, ça nous est là, c'est une source qui permet de payer mal marché, stabilité politique, tout ça. Ça nous va pour dispenser dans une constitution. Bon, nous-mêmes, c'est même la position nous avec l'élection. Nous croyons que nous allons parler de réforme constitutionnelle, sinon nous allons parler d'amendement, parce que ça a eu de fait non minimum accord politique. Mais de fait, côté gain cohésion en différents acteurs politiques, que ce soit dans la société civile, que ce soit dans la classe politique. Et nous pensons que le président il doit comprendre que, même si je ne veux dire pas par le Parlement, mais qu'on groupe dans la société civile, ce n'est pas un problème, il n'y a pas de avec la Constitution. Nous-mêmes, comme activistes qui ont bataillé dans le dossier contre la corruption dans le pays, nous avons un problème avec la Constitution. Parce que je ne veux dire, si nous avons une faiblesse, UKF, ILCC, BAF, Inspection Générale des Finances qui sous compte l'exécutif. C'est parce que justement, la Constitution n'a pas doté les gens qui vivent dans cette bagage, dans cette institution pour être inamovible, pour être capable, si vous voulez évoquer, il faut que vous ayez une formule qui vous dit comment vous voulez évoquer. Et il faut que vous ayez un budget qui vous permette de travailler sur n'importe monde, sur n'importe pouvoir, même si c'est au Nobel, même si ça fait États-Unis. Bon, nous-mêmes, si nous avons dit que nous n'avons pas de problème avec un parti en pile texte qui est dans la Constitution, ça, c'est vraiment un mensonge. D'ailleurs, nous avons un problème même avec l'angle. Langue créole qui n'est pas obligatoire, qui a fait nous éduquer la population, non, l'autre langue qui n'est pas langue maternelle, ça c'est des problèmes pour nous. Mais par contre, pour ça arriver, il faut qu'il y ait un compromis politique, il faut qu'il y ait une entente, tout le bagage ça faut qu'il y ait fait
dans calme, pas faire dans gros point, pas faire dans voyer monter, faut que fait dans sérénité politique. Nous pour passer mais dans constitution. Faut que nous dit ça clair sans hypocrisie, mais faut que ça fait dans cohésion sociale, faut que ça fait avec dialogue avec tout acteur pour nous définir qui modèle constitution nous voulons. Est-ce que son constitution n'a prendre texte mon à l'étranger ou sinon son bagage n'a prendre qui lié avec réalité que nous même n'a vivre là ça nous voulons. OK. De sécurité. Nous avons un phénomène qui n'a plus une insécurité à tout le monde. Comment nous-mêmes nous positionnons? Bon, nous avons deux aspects sur le phénomène d'insécurité. Premièrement, nous pensons que c'est une responsabilité citoyenne qui doit prendre dans la bataille. Parce que la population en soi, la famille en soi, ils ont un droit, ils ont un devoir pour voyager sous famille, ils ont un devoir pour voyager sous timon, ils ont un devoir tout pour voyager sous tête, parce que je ne veux dire pas possible. Pour deux personnes qui débattent la caille, nous, la manger la boue, ils ne parlent machine, nous ne parlons pas qui est lié, qui est lié, côté sorti, qui côté la travail, qui est qui font mille. Mais deuxième responsabilité, il y a à l'égard de l'autorité étatique. L'État, il doit prendre toute responsabilité pour permettre que les garanties sécurité population. En parlant de CPJ, il y a plus de moyens qui mettent à la disposition de CPJ pour mener enquête. Pour le ministère de l'Intérieur, il y a deux joueurs, le primatuel, il y a deux joueurs, il y a même temps de qui. On sort de 60 000 gouttes qui sont disponibles pour mener enquête dans le DCPJ. Ça a un problème, nous avons demandé est-ce que tout le monde veut nous voulons une politique publique qui adapte à notre pays pour mettre la population à l'on souffre. Nous pensons que ça a lieu de trop et en plus, nous n'avons pas que nous relater dans le kidnapping qui a fait là. C'est classe moyenne. C'est des gens pour nous, des journalistes, pour nous, des jeunes qui ont passé misère pour une petite machine 97. Les gens qui n'ont pas à manger, c'est eux qui nous kidnappent. Ça veut dire que nous avons nous dire nous est-ce que ce bagage ça, même si tu as un réseau qui est en branle, est-ce que réseau ça, pour qui ça c'est mon classe moyenne dans le plan surtout? Est-ce que vous avez certaines velléités pour disparaître de la classe pour faire les gens décourager quitter le pays? Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas kidnapper les migrants et les malheurs, mais nous avons regardé ces gens qui ont fait si effort, qui ne peuvent pas même manger chaque jour à kidnapper, ça va poser une question. Merci. Ok, bien là.